fait une étude de marché, il y a deux possibilités. Soit on part d'un concept que l'on va implanter sur un emplacement, c'est ce qu'on appelle le lieu. Soit on a un lieu et on va chercher le concept qu'on va implanter sur ce site dans les meilleures conditions de chiffre d'affaires et de rentabilité. Alors, pour bien comprendre comment on fait une étude de marché, on va prendre le cas où l'on part d'un lieu. Alors, ce lieu, ce site, a ce qu'on appelle une zone de chalandise ou zone d'attraction. Alors, dans la restauration, une zone d'attraction, il y a deux zones d'attraction. Il y a une zone d'attraction le midi, qui est de l'ordre de 5 à 7 minutes à pied lorsque mon emplacement est en centre-ville, ou 5 à 7 minutes en voiture lorsque mon emplacement est en périphérie. Et le soir, on a une zone beaucoup plus large, qui est de l'ordre de 10 à 12 minutes à pied si on est en centre-ville ou en périphérie si on est à l'extérieur de la ville. Et à l'intérieur de cette zone de chalandise, il est important de quantifier ce qu'on appelle les strates de clientèle. Les strates de clientèle qui vont en fait déterminer le potentiel de votre restaurant. Quelles sont ces strates de clientèle? C'est simple, on a l'emploi qui impacte évidemment le midi, on a l'habitat qui impacte le soir, on a les loisirs, en l'occurrence le cinéma qui impacte plutôt le soir, et en fin de semaine. J'aurais même tendance à dire. Et on a également le tourisme, qui peut impacter aussi bien le midi que le soir. On a la clientèle shopping, celle qui fait des courses, commerce, centres commerciaux, magasins, etc., qui peut impacter plutôt le midi que le soir, et plutôt aussi en fin de semaine. Et enfin, on a une clientèle qu'on appelle la clientèle d'hôtel, qui impacte exclusivement la clientèle du soir. C'est cette strate. Il est important de les quantifier dans ces zones de chalandise et de les qualifier. Les quantifier, c'est tout simplement compter combien il y en a dans ma zone de chalandise. Et les qualifier, c'est de savoir qui ils sont. Est-ce qu'on a affaire plutôt à des cadres, à des employés, à plutôt à des hommes, plutôt à des femmes, plutôt à des jeunes, plutôt à des gens plutôt âgés. Et lorsqu'on a quantifié et qualifié ces strates, il est important de découper ce potentiel par grands moments de consommation de la journée. Nous travaillons à Agir à Conseil avec 6 grands moments. On a un premier moment qui s'appelle le petit déjeuner, on a un deuxième moment dans la matinée qui est l'encas du matin, on a évidemment le troisième moment qui est un moment le déjeuner. Le quatrième moment, c'est un moment qu'on appelle pause gourmande en France, les gens s'arrêtent vers 14, 15 heures, 16 heures pour grignoter quelque chose de plutôt sucré. Ensuite, on a un cinquième moment qui est ce qu'on appelle le frigo vide. Les Français se posent une question fondamental à partir de 16h, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir, et compte tenu que leur frigo est de plus en plus vide, il faut qu'ils passent quelque part pour aller acheter quelque chose qui va leur permettre de se nourrir le soir. Et puis on a le sixième moment qui est évidemment le moment de dîner. 7 strates de clientèle, 6 moments de consommation, il est important de croiser cela pour voir quels sont les potentiels. Et puis ensuite on termine une étude de marché par, une fois qu'on a terminé la demande, regarder l'offre qui existe dans cette zone de chalandise. Alors l'offre, ce sont toutes les formules de restauration qui existent, tous les concepts de restauration qui existent avant que vous vous implantiez. Alors évidemment, de la restauration rapide à la gastronomie, il y a plein de possibilités. Il est fortement conseillé de regarder les acteurs leaders. Il y a toujours dans une zone de chalandise un restaurant qui marche le mieux, qui a une image très forte dans la ville, qui a une grosse notoriété. Il est important de se rapprocher de lui et essayer de comprendre pourquoi ce restaurant fonctionne. Est-ce que c'est une question de produit? Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est son emplacement? Est-ce que c'est sa gentillesse au niveau de l'accueil? Bref, il faut se rapprocher du leader dans la zone de chalandise. Il y a toujours un leader sur lequel on peut apprendre beaucoup de choses sur le comportement des consommateurs à l'intérieur de la zone. Alors lorsqu'on quantifie et qualifie l'offre, il est très important de regarder tous les acteurs de la restauration rapide à la gastronomie pour une simple et unique raison, c'est qu'on n'a pas affaire à des consommateurs qui vont dans une seule catégorie de restauration, mais on a affaire aujourd'hui à des consommateurs qui zappent sur toute l'échelle de restauration. Et on a aujourd'hui des cadres supérieurs qui grignotent rapidement chez McDonald's à midi et qui peuvent aller dans un restaurant gastronomique le soir. Et nous faisons tous plus ou moins ce grand écart avec des formules de restauration rapide le midi, des formules plutôt de service à table le soir. Donc ce consommateur zapper nous oblige, quand on fait une étude de marché, vraiment à analyser toute l'offre en restauration, de la boulangerie qui fait des sandwichs jusqu'à la gastronomie à l'intérieur de ces zones de chalandise. Et il est important, encore une fois, de les qualifier. Qui sont-ils? Combien ils font de chiffre d'affaires? Combien ils font de couverts? Combien ils font de clients? Parce qu'à un moment, il va falloir confronter l'offre et la demande. Et en confrontant l'offre et la demande,
on va savoir si sur notre site, notre emplacement, notre lieu, nous sommes sur un marché saturé, porteur ou équilibré. Si le marché est équilibré, on peut y aller en étant un peu différent. Si le marché est saturé, ça devient un peu plus problématique et là, il faut vraiment qu'on soit différent pour amener quelque chose de très différenciant, d'amener une valeur ajoutée pour essayer de faire mieux que les autres. Et puis si le marché est porteur, on ne se pose pas de questions, il faut y aller. Mais en tout état de cause, quand on arrive à ce stade-là, il faut prendre la bonne décision et il ne faut pas hésiter à ne pas y aller si le marché est saturé ou compliqué, et y aller avec les bons outils et les bons concepts quand le marché est porteur. Alors quand on a réalisé son étude de marché, se pose automatiquement la question de la communication. Et c'est là où il faut revenir à ce qu'on appelle le mix marketing. Le mix marketing, c'est quoi? C'est le couple produit-prix qui va très très bien ensemble. C'est ce qu'on appelle le rapport qualité-prix. Et puis il y a un autre couple qui est l'emplacement par rapport à la communication. Et en fait, plus mon emplacement est bon en termes de visibilité, d'accessibilité et de potentiel, moins j'aurai besoin d'investir en communication. Et l'inverse est vrai. Si j'ai un emplacement qui n'est pas très bien placé dans la ville, il va falloir que je dépense beaucoup d'énergie en communication. Donc ce couple-là est exactement le même en termes d'énergie et d'investissement que le rapport qualité-prix. Et ça fera effectivement l'objet d'une vidéo particulière sur comment communiquer à partir de mon emplacement dans la ville. Toute l'équipe Jira Conseil et moi-même sommes à votre disposition pour vous expliquer plus en détail comment nous faisons une étude de marché et pour faire votre étude de marché, outil indispensable avant la moindre implantation, parce qu'aujourd'hui, les implantations sont de plus en plus risquées. Une étude de marché est vraiment fondamentale.